Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés du plus beau, du plus grand, Valt. Oui, de Valt. Car aujourd'hui, nous allons tester ses réactions. Me baladant comme d'habitude sur TikTok, j'ai vu qu'il y avait pas mal de challenges avec des chiens et j'avais envie du coup d'en reproduire. C'est des challenges en fait qui montrent la réaction du chien face à une situation. Et il y en a, c'est vraiment très drôle et je me demande si Valt va réagir exactement pareil. Allez, c'est parti, mon... Mais viens là, tu es ma star aujourd'hui. Bon, bref, allez, c'est parti. On va tester mon chien et ses réactions. Let's go. Ok, on commence par ce TikTok. Non mais Valt, non mais... Enfin, ne te spoil pas! Du coup, il va penser qu'il y a qu'une croquette sous ce gobelet. Mais en fait, il y en a plein en dessous. Il va penser faire le bon choix, mais en fait, non, il fera pas le bon choix. Enfin, j'ai trop envie de voir sa réaction. Donc Valt, viens là. Hop, non. Là. Hop. Je fais un vieux truc. Cherche. Non mais, là. Non mais, ça va être compliqué. Ouh. Allez, sois pas con, mon fils. Là. Non, mais nettoie pas ma table. Attends, je vais mettre comme... Oh merde. Non, tu n'as pas vu, tu es con. Là, regarde. Ta-da. Ta-da. En fait, il s'en fout, putain, mais c'est d'une tristesse. Il s'en branle, putain. C'était trop drôle dans la vidéo parce que les chiens étaient en mode what the fuck, mais je comprends pas, il y en avait qu'un et là, il y en a plein, je suis fait arnaquer. Bon, c'est un échec total, on verra pour le deuxième TikTok. Ok, voici la deuxième vidéo. Do you wanna bitch? Sit. Lay down. Up. Stay. 3, 2, 1. Oh, good boy. Ce chien est trop bien dressé. Je veux que mon chien fasse la même. Alors voilà, j'ai trouvé sa source de stimuli. Donc on va voir. Assis. Non mais, Valt, frérot, tu vas avoir 2 ans là, tu sais. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Depuis quand tu sautes? Couché. Donne la patte. Donne la patte, donne la patte. C'est bien. Pam, fais le mort. Fais le mort. Allez. Fais le mort. Pam, 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 pam. Mais Valt, on l'a appris. Fais le mort. 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 Ouais, c'est bien. Pam. Du premier coup, hein. La friandise sur le museau, par contre, ça va être infâme. Vous connaissez Valt, c'est un surexcité. Jamais je pense que je vais y arriver. Attends. Non. 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 Non, 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 là, là, hop, voilà. Ah, punaise, c'est impossible de faire ça avec Valt, punaise. Il est beaucoup trop excité, en fait, mais c'est pas grave, c'est bien. T'as quand même réussi à faire... fais le mort du premier coup. Pam, fais le mort. Fais le mort. Allez, fais le mort. Oui, oui. Ma caméraman m'a donné une super idée. Nous allons tester la croquette sur le museau, mais avec un chat. Bouge pas, mon bébé. Bon, par contre, elle a pas assez de musée. Bon, ok, ça marche même pas du tout sur les chats. Mais... ça, la tête qu'il a fait pendant une fraction de seconde. C'est un échec total! Prochain challenge que j'ai vu sur TikTok, c'est celui-ci. Stay, ok, don't eat this, ok, promise? Stay, don't eat it. What a good boy. Voir si Valt écoute très très bien. Du coup, dans une gamelle, je vais lui mettre son aliment préféré. Je vais faire style, je m'absente. Et bah, pour le coup, c'est vous qui allez voir si Valt n'y a pas touché. Après, je suis plutôt confiante. Souvenez-vous, j'avais déjà fait une vidéo où il touchait déjà pas aux croquettes pour chat. Alors, je vois pas pourquoi là, il ne m'écouterait pas. Hein, mon bébé? Allez, tu touches pas. Non, tu attends. Bon, je reviens, tu ne touches pas. Hein. Je descends chercher un truc. Je reviens, tu ne touches pas. D'accord, Valt, tu attends mon retour. D'accord, je descends. Tu attends, hein. J'en ai pour 5 minutes. Je vais manger. Non, elle a dit d'attendre. Je suis sage, mais elle va forcément revenir. Je suis un bon chien, je ne vais pas. Oh miam, oh là là, c'est super bon. Je me régale. Voilà, j'ai fini, c'était vraiment trop... Oups, désolé maman, j'ai fait une bêtise. Alors? Bah, t'as mangé? Est-ce que t'as mangé le blanc de dinde? Valt!
lol. Tu m'as pas attendu. Il a tout mangé, putain, j'y crois pas. Qu'est-ce que t'as fait? Ah bah oui, tu peux partir, hein. Je t'avais pas demandé d'attendre. Et où tu vas, là? Et j'ai pas fini. Il est parti. Ah, bon. Bah, ce challenge est un échec. On va tester maintenant ceci. Vous l'avez vu, je vais... ça me fait rire parce que je sais comment il va réagir. Du coup, je vais essayer de faire un bisou à mon chien, on va voir sa réaction. Bah, du coup, tu pleures déjà? T'abuses? Je vais te faire un bisou. Il veut me foutre un coup de patte. Et on a le pire plan maintenant. Deuxième tentative, Volt, viens là. C'est bien, doucement. Tu fais bisou, Volt? Fais bisou. Laisse-moi te faire un bisou. Ah, tu vas me foutre un coup de tête. Mais t'étais rugbyman ou quoi? Pourquoi tu me mets des coups de tête comme ça quand je vais te faire un... Je m'approche pour te faire un bisou. Il me fait trop rire ce chien. Bon bah voilà sa réaction, il est pas du tout dans l'attendrissement, dans le mimi. C'est un chien qui essaie de foutre des coups de tête. Il est choqué. Quand je l'embrasse, il est là. Tu fais quoi, frère? Tu fais quoi, là? Autre challenge. Ceci. Parce que j'ai vu cette vidéo. Et du coup, j'ai envie de la reproduire. Voir si Volt est apaisé par les petites gratouilles. Regarde. Bouge pas. Regarde. C'est fait pour t'apaiser. Il aime pas ça. T'es vraiment un chien qui aime pas du tout tout ce qui est massage, tendresse, relaxation. Tu veux vraiment pas tester? Il paraît que c'est très agréable. Moi j'adore, tu sais, tu devrais, hein. Volt! Bon bah je vais pas insister plus. C'est un échec, encore une fois. Autre vidéo TikTok que je voulais reproduire, c'est celle-ci. Penny. Penny. Penny, come here. Come here, Penny. Appeler son chien alors qu'il est dans la même pièce, limite à côté. Alors vous voyez pas, mais Volt est juste là. Il est couché comme d'habitude ici près du canapé quand je suis sur le canapé. Donc je vais l'appeler comme s'il était très très loin. Et on va voir du coup sa réaction. Volt. Volt. Volt, t'es où? Volt, viens. Viens voir maman, Volt. T'es où? Viens voir maman, Volt. Hé, t'es pas un peu dans la bulle là? Tu cherches Volt aussi? Adopter un chien à poil long. C'est là-bas, Volt? Bon, peut-être qu'il trouvera Volt avant moi. Sa réaction était très drôle, mais un peu abusive, parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de monter sur le canapé et il en profite, ce chenapan. Maintenant, il le cherche dehors. Ok, t'es con, mon chien. Pour la prochaine reproduction de TikTok, j'aurai besoin de ce plaid. Et oui, c'est un TikTok. Waouh, c'est un TikTok qui commence à dater, je crois, de 2020 ou 2019. Je le mets juste là, c'est genre balancer une balle à son chien, se cacher et voir sa réaction. Et je trouve ça trop drôle et je l'avais pas encore fait pour Volt, donc je vais tenter là. Voyons voir si mon chien est très stupide. Hé, elle est là la balle. Volt, mais alors déjà ça commence très bien. Mais Volt, j'ai la balle dans les mains. Mais il est pire que con. Mais waouh frère, elle est là! Voilà, t'es prêt? Je vais me mettre ici, je suis plus dans le plan. T'es prêt, Volt? Hop, va chercher! Bon, je crois que j'en ai compris que tu m'avais vu. C'est bien, mon chien! T'as su directement où j'étais! Oui, ça fait du bruit! Oui, 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 on adore! Oui, on adore, on adore! Eh bien, plutôt fier de cette petite bête, il a pas trop galéré, hein. Même pas du tout, j'ai envie de dire. Il m'a trouvé direct! Ça, c'est mon chien. Totalement intelligent. Hé, hey, elle est là la balle. Volt, mais Volt, j'ai la balle dans les mains. On peut oublier ce passage, ok? Ah, il y avait aussi ça que j'aurais aimé tester avec Volt, mais je suis pas sûre qu'il soit trop chaud.
T'es emballé ou pas? Non? Je le sens pas, moyen? Bon, tant pis. Testons maintenant ce TikTok-là. New challenge. Put your hand near your dog like you're going to pet them, but don't pet them yet and see what they do. Hop, voyons voir ce que va faire Vol quand je vais approcher ma main de sa tête sans le caresser. Mes mains, elles ont mauvais goût? Non? C'est un gros, ça veut dire fous-moi la paix, humain. Eh oh, gros cul. Écoutez, on part sur une fin de vidéo. Volt, un peu déçu. Il y a des chats quand même qui sont un peu plus intelligents que toi. Mais écoutez, c'est comme ça, mon fils est con, je l'aime quand même. Mais on testera de nouvelles expériences avec lui, hein mon coco? Tu vas devenir intelligent. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars, n'hésitez pas à laisser un like, commenter comme d'habitude, à vous abonner pour tous ceux qui ne sont pas abonnés. On se retrouve très vite comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien. Salut.